Hey, salut les amis, c'est Fifou, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Lords of the Fallen, dans ce décor qui est somptueux, voilà, venez en vacances ici, regardez, vous voulez de la chaleur, là, vous en aurez, c'est sûr. Alors bon, il est temps d'avancer, hein, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, et du coup, il faut aller par là. Et il faut de nouveau que je me débarrasse de ce destructeur. Alors attendez, parce que là de toute façon il y a des tarbas qui vont venir m'attaquer comme d'habitude par derrière. Hein. On connaît. Alors déjà lui je vais le faire avancer vers moi. Voilà, allez viens. Ah cette fois il est pas resté bloqué dans la lave. Ah c'est dommage. Wow. Voilà. J'allais dire vite fait, bien fait. Pas vraiment. Par contre, tu me lâches même pas. Ah oui, ok. Je me disais, c'était un scandale. Il me lâche même pas un petit souvenir. Tac. Comment est-ce que je fais pour aller là? Parce que là, il y a un truc pour monter. Attendez, il y a un ennemi là, quelque part, non? Comment est-ce que je fais pour aller là? J'ai pas les yeux en face des trous ou comment ça se passe? Par là? Putain, c'est par là? Non mais attendez. Ah ouais, d'accord. En fait, je suis même pas sûr qu'il faut que j'aille dans l'ombrelle pour aller là. Hein. Oh, c'est... Je vais dire, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Wow. Saleté. Des carreaux explosifs. Ah, ça peut être sympa. Malheureusement, je ne joue plus avec mon arc. Mais ça, ouais. Ça, j'avoue que c'est sympa. Dommage juste de les trouver aussi tard dans le jeu. Hein. Alors, le truc qui me saoule, c'est que là... Merde! Arrête de reculer! Non, me fais pas ça. Il lui reste un PV à l'autrui là. Même pas, elle est dead. Et désolé de t'avoir traité de truie, hein, c'est pas du tout mon genre, mais. Bouh, allez. Attendez. Ah ouais, bah oui, bah forcément, maintenant il y a ceux de l'ombral qui viennent me dire bonjour. Alors, je peux aller par là. Mais moi j'ai envie de débloquer, en fait c'est la grande porte qui est au tout début. Ah, un petit parterre de fleurs, oui. Que je vais pas utiliser. Parce que j'en ai plus beaucoup, j'en ai plus qu'une. Alors c'est pas un piège. Ça pue ça aussi, non? Si je descends là. Let us hurry, Your Majesty. I can take you beyond the castle walls, but then I'm afraid I must return. Too long and my absence will be noted. You've already done more for Edivar and I than I can ever hope to repay for Fitzroy. Thank you. I'm not away yet, and I could not stand idle like so many others and allow the king to carry out such a heinous act. My husband is not the man he once was. Il n'est plus l'homme qu'il était. But he will not take my son. Chier, ça me saoule en fait quand j'ai deux chemins. En fait là, j'ai même pas deux chemins, je crois que j'en ai même plus.
Je vais aller par là. Ça se trouve, à droite, il y a une descente. Pas du tout, ça monte. Un baume purificateur. Bah là, il n'y a rien. Ah non, mais c'est pas juste, putain. Oh, cette injustice, quoi. Remboursé. Ne souffre pas de ce côté. Et en plus, il y a Mister Tarba. Allez, hop. Je suis presque sûr qu'il est... Merde. Alors lui, ça va être chiant. Oh là là, dans un espace aussi petit, ça va être tellement chiant. Ouais. Il se déplace en 3 FPS. On dirait... On dirait les premiers Duck Nukem en 3D. Ah merde. L'autre, par contre, il va venir... Non, lui, il va venir me saouler longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette zone avec ses ennemis? Ouais, il se déplace, ouais, en 10 FPS et encore, je suis gentil. Donc, du coup, c'était pas par là. Je commence à stress. Il me faut absolument un truc pour revenir dans le monde normal. Alors, on va aller par là. Putain, fais chier. Je voulais pas l'utiliser. Du coup, étant donné que je l'ai utilisé, hein, je vais voyager au repos. Je vais m'en acheter un. Une petite graine, ça peut toujours servir. Alors, hop. Oh, c'est beaucoup moins cher. C'était 2500. Peut-être que le fait d'avoir augmenté ma lampe au max, ça a fait diminuer les prix. Je vois que ça comme explication. Du coup, je vais m'en acheter deux. Ouais. Là, j'ai fait un petit peu mon fifou. Là, j'en ai acheté deux. Alors, voyager vers la graine. Enfin, la germe. J'y arriverai jamais, hein, même après 50 heures de jeu. Parfait. Donc là, il y a un raccourci. Ouais, il n'y a rien du tout. Ouais, l'ambiance, elle est stylax. J'aime bien. Ce que je vais moins aimer, ça va être les fights qu'il va y avoir derrière, parce que là j'entends déjà des petits grognements, donc voilà. Pourquoi je peux pas aller récupérer l'objet? Oh putain, mais c'est pas vrai. Il est posé. Ok. J'entends des trucs, hein. Ah, c'est eux. Quelle déception. Et là, il y a l'échelle. Voilà. En vrai, c'est un bon raccourci, hein. Alors, toujours plus haut, toujours plus fort. J'ai une descente. Là-bas, il y a quelqu'un qui m'attend. J'aime bien toujours analyser les lieux. Hein, avant de sprinter tête baissée. Lance d'éviscération. En revanche, cet objet-là, je fais comment pour le récup? Je me dis peut-être qu'il y a un truc dans l'ombral.
Parce que tu vas pas me dire que c'est lui qui me bloque l'entrée. Regardez, mon perso, il rentre là-dedans. Sauf que là, en fait, il y a un mur invisible. C'est pas possible. Bref, c'est pas grave. Alors là, il y a un truc. Bonjour. Merde. Oh, je vais le finir à la magie, hein. What? C'est lui qui m'a fini à la magie. Eh ben... Saleté. Bon, je viens ici, il y a un coffre. Avec des grands éclats, tout ça, c'est pas si mal. Alors là, et en plus, il y a un truc, je peux passer que en ombral. Anneau fumant. Ah, c'est vous qui me fumez là. Regardez, je peux rien faire. Oh là là. Non. Oh là là. Ah putain, en plus il y a les gars de l'ombral qui viennent. Putain, le comité d'accueil, il est chaleureux. Je crois qu'on peut le dire. Merci, 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 merci. Jupe de... Ok, ok. Après, c'est vrai qu'on récupère pas mal de trucs. Bon, on se la fait, celle-là. Façon de parler, hein, dans le jeu. Wouah. C'est pas passé loin, j'ai eu de la chance, elle était bloquée dans le mur. C'est bon, ça passe. Je crois me souvenir où là il y avait une porte où je pouvais pas l'ouvrir. Attendez. Là, je sais plus où je suis exactement. En bas, il y a la mort. Ok, en fait, j'ai fait le tour. Ok. Et j'ai rien pour revenir dans le monde normal, en fait. Oh, putain. En fait, ils ont foutu les mobs les plus puissants... Tout simplement. Là-bas, il y a la mort. Ouais, la mort, elle m'a pas vu, hein. Là, il y a une grande porte. Ça m'apprendra. J'avais pas les yeux... Oh non! Oh non, mais quel piège à con! Mais pourquoi je suis venu là?
Pourquoi j'ai fait ça? Dégage! Oh putain. Oh là 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 là, allez, je serre les fesses. Où est-ce qu'il y avait... Là, il y avait un parterre de fleurs, parfait. Ouais, j'ai arrêté de jouer. Attendez. Quoique. On va continuer. Il me reste encore plus de la moitié, il me reste encore pas mal de soignance. En vrai, je suis pas trop dans le mal. Ça aurait pu être pire. Reine de vigueur, je peux pas monter aux échelles. Enfin, pas ici. Mais je veux m'occuper. Je vais m'occuper de la mort qui est en bas. C'est vrai que je me suis fait avoir, je l'ai lock et en fait j'ai regardé en haut et j'ai forcément j'ai pas regardé où je marchais. Ah ouais. Bon, en fait, si vous voulez, quand j'étais comme ça, je pensais que c'était une flaque d'eau. Mais en fait, visiblement, faut que je fasse le tour. Ah non. Ah, voilà, enfin. Voilà ce que je cherchais depuis un moment. Et là, ça me déverrouille vers le vestige. Et donc, j'ai planté la graine un petit peu pour rien, hein, on peut le dire ça comme ça. Là, j'ai mon petit vestige d'amour. Voilà. 17 minutes de malheur. Ouais. Aïe, 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 aïe. Le jeu, il a mais zéro pitié. Et pourtant, je fais des dégâts de bâtard. Allez, let's go. Est-ce que là, en normal... Ouais, en normal, je peux déjà descendre dans cet enfer. La sorcière... Hey, attendez, mais il y a un mécanisme. Merde. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait un mécanisme. Je sais pas du tout ce que ça a activé. J'ai entendu que ça a fait du bruit. Joue, 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 joue. Lui aussi il fait du bruit. Alors, il y a un endroit où je suis pas encore allé. C'est en haut de ces escaliers. Oh putain. Il faudrait également, dans le meilleur des cas, que je descende. Putain, il y a beaucoup de monde là. Oh. Non, en plus ils ont exagéré. Yeah, il m'a presque tué. Hein. Il va me tuer. Je vous ai dit qu'il allait me tuer. Oh vas-y, en plus maintenant il y a la mort et tu te fous de ma gueule. Et j'arrive pas à le lock. J'arrive pas à le lock. Dégage, dégage de là, je vais me faire tuer. Dégage de là. Ah, gantelet de l'ordre. Fils de... Alors, il y a un parterre de fleurs en bas. Autant vous dire que je vais pas sauter. Celle qui m'avait fait des dégâts comme ça. Ça m'étonne pas. Lui il va essayer de me... De faire un barbecue avec mes fesses. Oh non mais c'est pas vrai.
Oh putain. Ah non, mais j'en ai marre. Vas-y. Lâchez-moi un peu. Je vous ai rien fait. Ainsi. Sans la clé royale. Ah. La clé royale. Ok. Bon bah au moins je saurais où aller quand je choperai la clé royale. Il y a un trésor là-bas maintenant de l'autre côté que je vois. Ok. Faudrait encore que j'y arrive. Hein. C'est pas dit. Il y a plein de trucs que... Je peux pas les lock. Ah, celui-là, oui. Bien évidemment, je me suis trompé. Voilà. Et de 1. Ceux qui sont là, je peux rien faire. En fait, ici, c'est juste pour choper la quintessence, je pense, hein. Regardez-moi ça. Ah, enfin, il me file une graine. Il lui reste un PV. Voilà, merci. Je suis sûr que même avec un coup de pied, je l'aurais eu, là. Clé royale, bah là. La voici, la voilà. Oh, oh là là, avec la madre. Attendez. Vous savez pas... Vous savez bien que je me défile pas, hein. Et là, clairement, en plus, les ennemis, les pauvres, ils ont du mal à marcher, je sais pas. Là, clairement, le jeu, il est au bout de sa vie. Tant qu'il crache pas, je vous avouerai que limite, je m'en tape. Merde, j'ai pas pu... J'ai pas pu charger mon attaque. C'est pas grave. Là, par contre, c'est grave parce que j'ai plus de soignance. Allez, voilà. Alors, tac. Ensuite. Non, ça je l'ai déjà pris. Là, je peux rien faire. En revanche, moi j'ai plus beaucoup de temps. Là, y a rien. Attendez. Oh, y a des chiens. Les chiens, ils ont bugué. Oh, le truc, c'est qu'il y a une porte ici. Voilà, merci. Ah, c'était juste pour ça. Putain, j'ai failli tomber. Faut être dans l'ombrelle pour venir jusque là? Non. Oh, ça fait mal. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? Faut garder son calme et tout. J'en ai plein le cul, putain. Allez. Le truc en plus, c'est qu'il me reste la pièce en bas que j'ai pas encore fait. Tiens, c'est une pièce. Oh ouais, la pièce de la mort qui tue. Je suis mort déjà ?
Ils ont abusé, non? Ah ouais, ah, pour moi ils ont giga abusé là. Non mais non, mais je voulais pas ça. Je voulais l'autre, je voulais pas le trésor. Mais non, là c'est mal fait. Je voulais revenir dans le monde normal là avec la statuette. Putain. Oh mais l'enfer, mais c'est quoi cette pièce? En plus ils sont tous protégés là avec leur merde là. Ah là 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 là. Après je sais bien que c'est le principe du die in retry de ce genre de jeu, je dis pas le contraire, mais là ils ont abusé dans cette pièce minuscule de mettre des ennemis aussi puissants. Et surtout en fait c'est même pas que... C'est pas les ennemis qui me dérangent, c'est le fait... qu'ils soient bah, déjà tous dans une petite pièce minuscule et qu'ils soient protégés. Genre comme s'ils avaient besoin de protection. Vite protège. Non, 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 j'appuie sur... J'ai appuyé sur carré. Pardon. J'ai appuyé sur carré. Voilà. Équipé. Salutation, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, pour le coup, je ne sais même plus... Oh putain, regardez-moi ça. Plein de petits chiens-chiens. Je savais même pas que ça les massacrait. Enfin. C'était pas loin. Mieux que rien. L'autre, il est dans le décor. T'as raison, toi. Genre, il n'y avait pas assez de pièges comme ça. Ok, une rune. Parce que là, visiblement, il y a un super mécanisme de la mort qui tue. J'ai vu l'autre tarba là. Mais j'ai... En tout cas quand j'ai fait le tour ici... Oh non. Qui? Bon. Vous savez quoi, on continue. Allez hein, on se casse d'ici. Oh putain. Voilà. Et en plus, il n'y a rien du tout. Foutez-vous de ma gueule. Jusqu'au bout, ils se foutent de ma gueule. Le parterre de fleurs, non merci. Je crois pas. Les dégâts de FDP qu'il me met. Vous avez vu ma vie comment elle a diminué? C'est pire qu'un boss. Même le faucheur là, il m'a pas mis autant aussi cher là. Voilà.
Ouais, ouais, ouais. Vas-y, viens me rejoindre. Oui, 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 oui. Sauf que moi, là, je sais quoi. Allez, on va tout en haut débloquer la porte, hein, j'en ai marre. La quintessence, de toute manière... fait chier parce qu'il y a plein d'ennemis, en fait, sur le chemin. Ça me saoule. En plus, je suis dans... Ouais, de toute façon, il faut être dans l'ombral pour aller la choper. J'hésite, en vrai j'hésite. Mais allez, putain. J'ai envie de la, voilà, de la débloquer quoi. Le truc c'est que tu veux que je fasse comment? Non, je peux pas. Il faut que j'aille dans la plateforme là-bas. Oh là là. Est-ce que ça pue? Oui. Clairement, ça pue pour ma gueule. Je suis mort. Et bon, vous savez quoi, de toute manière, je vais vous dire un truc. Il me manque 4 quintessences pour la mettre en plus 10. Donc j'en ai forcément raté bien avant. Autant vous dire que... voilà. Donc si vous en cherchez une, il y en a une qui est à cet étage-là. Et je vous laisserai y aller. Voilà. Chacun sa merde, chacun son chemin. Et moi, je vais continuer. Je vais aller tout en haut là, de ces escaliers en colimaçon. Avec je vais essayer toute ma vie et toutes mes fioles. Et puis, on va voir ce qu'il y a derrière. Voilà, allez. Ah oui, j'ai utilisé la clé royale. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est par là. Faut quand même que je fasse gaffe, parce que des fois, il y a des renforcements dans les murs, et puis... il y a peut-être, je sais pas, un petit secret, des objets, des ennemis. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, oui. Effectivement, je comprends pourquoi ma lampe, elle a commencé à twerker. C'est beaucoup trop calme. Mais ça fait plaisir aussi, des zones calmes. Mais il n'y en a pas assez. Catalyseur de l'orne. Mais c'est ça, le truc qui est dommage dans le jeu. Il n'y en a pas assez. Vraiment. Oh. Vu ce que j'entends. Yo. Viens. Allez Rex. Au pied. Ah putain. Vous les avez en live, en vidéo là, les vrais boss du jeu, c'est les mobs, tout simplement. De toute façon, là, j'ai plus rien pour me soigner si jamais je suis en brûlure. Là, il y a un trésor, un petit parterre de fleurs. Celui-là, je pense que je vais l'utiliser. Hein. Je vais pas vous le cacher que j'ai pas envie de me retaper tout le chemin jusque là. Fan de vigueur. Ah là, regardez. En plus, je descends les escaliers comme quelqu'un de civilisé et tout. Si ça, c'est pas beau. Oui, oui, je me repose. Ah, je la mérite, là. Le repos du guerrier. Oh. Je me suis dit là maintenant ça allait être tranquille jusqu'au boss là. Ah, pas du tout. Au moins il n'y a pas d'ennemi qui m'attaque dans le cucu. Vas-y.
Voilà. Trois coups. Et j'ai essayé de les parer. Impossible. Ah mais oui, mais... Mais oui, mais parce que... Non, c'était pas assez, bien évidemment. Il m'en fallait deux. Dégage. Selles d'engelure. Sauf, vous pouvez me donner même des selles d'enflure, j'en ai rien à... Là, en vrai... Et encore, ça va, ils vont attaquer... Pas les deux en même temps, ça aurait pu être les deux en même temps, histoire de vraiment, là... Hein, que ce soit le pompon, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? La salle, elle a l'air magnifique, malheureusement... Bah, malheureusement, je suis dans l'ombral. Toi, t'es une saleté de piège, non? Parce que je... Ah non. L'ange. Masque de Lord. Bah, je crois qu'il y a rien. Je dis rien d'autre, mais ouais, il y a rien d'autre. J'ai vu un trou dans le tableau, je me suis dit, ah, peut-être un petit secret et tout. Non. Là, 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 oui, il y a quelque chose ici. La mort? Oh putain, je reviens dans la salle. Je reviens dans la grande salle. Mais ça m'amène où? Attendez. Ensuite, je prends ce cristal et je vais là derrière. Ok. Je vais voir. Hein, parce que je crois que je pouvais... Ouais, je peux encore descendre. Est-ce que je viens pas de là ou bien? Ça se trouve, je viens de là. Hein. Mais il y a peut-être un raccourci à débloquer quelque part. Voilà. Effectivement, il y a un raccourci. Donc pour ceux qui veulent la quintessence, ici il y a un raccourci. Hein. Moi j'y vais pas, hein, y en a marre. Et là en fait, bah, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est ce qu'on appelle un saut Suicide X. Let's go! Oui, c'est passé comme papa dans maman avec ces connards qui me visent par derrière. Alors, gauche, droite. Droite, gauche. Passement de jambes. On va aller par là. J'aime pas ce que j'entends. Oh putain. Oh, il y a des gros pas vers moi. Non, mais c'est pas vrai. Pas encore lui. Hey, c'est bon, quoi. Est-ce qu'on n'a pas le droit au bonheur un petit peu dans ce jeu? Hein? Je vous le demande. C'est juste que, en fait, j'ai envie de débloquer... Ah bah, il y a un parterre de fleurs, hein. Il va me tuer à travers les murs, hein. Ok. Je vous avoue que là, là, ma patience, elle est elle est mise à très, très, très rude épreuve. Ah, et désolé pour les ralentissements, hein, c'est, ça vient pas de moi. Ah, attendez, il y a encore une autre qui me fait... Oh, oui, mais oui, forcément. Ok.
ça, mais tu vas me dire que c'est un raccourci, ça? Alors, je peux faire un saut de la foi. Pour un truc qui est là. En vrai, je vais le tenter parce que j'ai pas mal de petits papillons, là. Forcément, j'ai pas sauté. Ça va pas le faire si je saute pas. On prend les mêmes. Et on saute. Parfait. Alors, tout ça pour un tesson de déralium. Ah, parfait. Tout ce qu'il faut pour mettre votre arme en plus 10. C'est très rare comme objet. Je crois que ça fait quoi? Le troisième que je trouve depuis le début du jeu. Donc voilà. Le point négatif, c'est que ça m'a fait aller dans l'ombral parce que j'ai oublié de sauter comme une vieille chips. Oh. Oh ouais, oh oui, tout ce que j'aime là-dedans, là. Tout ce que j'aime au même endroit. Je vais faire venir la mort là. Je vais essayer de le toucher en premier. J'arrive pas. C'est bon, je l'ai touché en premier. Mais putain, mais pourquoi j'ai perdu de la vie? Il m'avait pas touché. Grrr. Ouais, vas-y. Nickel. Il reste la madre. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Donne-moi un truc de ouf. Un œil ombralien. Non, en vrai, ça, c'est cool. Voilà. Et la madre, elle a même pas donné une petite graine. Quelle indignité. Putain, ça sent la giga arène, les gens. Ça sent la grosse arène. Le truc, c'est que je ne suis pas à fond. Du coup. Et il n'y a même pas un petit parterre de fleurs, rien. C'est sérieux. Vous êtes tellement une bande de tarbas. Alors, je vais me reposer là où j'ai planté la petite graine. Ah oui, ça fait peut-être une minute de course pour aller jusqu'au boss. Mais voilà, hein, pas le choix. Pourquoi j'ai fait tout le tour comme un couillon? Ah, attendez. Non, mais c'est... Non! Non, j'ai planté une graine alors que j'avais le vestige à côté. Je viens de me rendre compte. Oh là 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 là. Quand on n'a pas de tête, les gens... C'est pas possible. Allez, let's go. On va le tenter, on va voir qui c'est. Est-ce qu'on arrive... Déjà, c'est pas par là. Est-ce qu'on va arriver à l'avoir du premier coup? Alors, j'ai beau être level 134, tout ça. Vous voyez que je me fais quand même bien dérouiller par les mobs du jeu. Hein. Donc, on va voir si le boss est plus simple que les mobs dans le jeu. Moment cinématique. Il
Il est transpercé de partout là. Alors, le monarque morcelé. T'es sérieux? Il va lever sa jupe ou quoi? J'ai pas compris. Je pense qu'il serait un peu plus énervé là. J'aurais peut-être pas dû le taper dans le cul. Merde. Je lui ai laissé une cicatrice. Il va me taper avec la tête de la statue ? Non mais ça va pas ? Merde, mon arme. J'ai dit mon âme. Ok. Ah ouais! Bien joué! Fait mal! Mais il laisse pas mal d'ouverture quand même. Il va me refaire son saut. Moi j'espère que ça. Hein. Il va la jeter comme une boule de bowling. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Oula. What? Qu'est-ce que tu fais? Il explose, non? J'ai pas compris ce qu'il nous fait. Oh putain! Je peux pas attirer son âme. Alors patience, hein, patience. Pour l'instant, je suis... Ah putain, dommage. Oh non, j'aurais dû l'attaquer. Bien joué. Let's go! J'avais même pas où il en était avec sa vie. Attendez, c'est peut-être pas fini. Si, le roi est mort. The king is dead. Vive le roi!
Merci, merci, merci. Putain. Ah ouais, ça c'est du truc de une âme. Allez. J'ai plus qu'une petite graine que je vais planter là, hein, je m'en fous. Le memento du monarque morcelé. Très bon boss, first try. Je m'y attendais pas du tout à l'avoir first try, mais ça passe. On va pas se plaindre. Hein. Et du coup, je vais en profiter. Parce que normalement, elle est... Il est où le rayon là? Ça, il y a quelque chose, hein. Ah ouais, ok. Même pas un petit trésor derrière, rien? Vous êtes sérieux? Bah, je pense que ça doit être ça, hein. Je n'ai que pitié pour toi. Ok. For you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. They speak of light while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. Ok. vous savez quoi, avant de re-interagir avec lui, voilà, je pense que je vais arrêter l'enregistrement, on est déjà à plus de 50 minutes, hein. Et on reviendra lui faire un check dans la prochaine partie de la vidéo, à, je crois il s'appelle Adil, je sais plus. Voilà, je me repose. Bah écoutez, bah j'espère que ce gros combat là qu'on a eu à la toute fin vous aura plu les amis. Comme d'hab, si c'est le cas, le petit like, l'abonnement, le partage, ça fait toujours plaisir. Et ça aide de ouf la chaîne. Et bah franchement, j'ai hâte de vous retrouver très très vite justement pour aller lui reparler et voir ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on aura encore un gros combat par la suite? On verra bien. Alors, bah on se retrouve, bah comme je vous ai dit, hein, donc très très vite pour la suite. Allez, bye.